Deuxième séance, on va utiliser donc l'onglet F2 pour résoudre une équation comme ici, une équation avec exponentielle et une inéquation avec exponentielle. On va aussi apprendre à factoriser des expressions. Alors je commence par la résolution. Donc là vous avez la touche F2. Alors j'attire votre attention sur le fait suivant. Surtout lorsqu'on va avancer tout à l'heure, lorsqu'on abordera le calcul dérivé, voire utiliser certains programmes, je vous recommande de systématiquement faire F1, voyez, F1, pardon, second F1, en réalité quand je dis, j'escape, hein, en réalité quand je dis F1, je veux dire. Il faut actionner la touche F6 que voici. Mais comme F6 est en bleu, il faut bien sûr appuyer sur F1. Mais comme F6 est en bleu, j'appuie sur Second et je fais F6. Et là, je demande à l'ATI d'effacer toutes les variables stockées en mémoire. Donc ça, il faut le faire régulièrement, systématiquement. Et là, je fais Entrée. Est-ce que effacer le contenu des variables A à Z, etc. Dans Entrée, oui. Donc, j'entre. OK. Alors, pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait? On va sur F2 ici. Donc, F2 et résolve. J'entre. Je vais taper mon équation. Alors, notez bien l'inconnu ici, c'est x. Donc, je vais taper 3. Le x, vous l'avez ici directement. Vous voyez, le x, il est là. X, y, z, t. Bien entendu, je peux retrouver le x en faisant alpha, alpha, et le x est quelque part caché ici, hein, d'accord? Vous pouvez le chercher. Donc je fais 3x au carré moins 5x plus 2 égale, voici, 0. Alors, il faut impérativement indiquer la variable. Parce que si je fais, regardez bien, si je ferme la parenthèse et je fais entrée, il n'y a pas assez d'arguments. Autrement dit, j'ai une erreur de syntaxe. Pour ça, vous revenez avec votre curseur et vous faites virgule, que voici, virgule, pas point, virgule, et vous tapez la variable x. Et vous entrez. Et ça nous affiche deux solutions, x égale 2 tiers, que voici, ou x égale 1, que voici. Alors pourquoi je dis taper la variable x? Parce que si à la place de 3x2, j'avais entré 3t2, vous voyez? 3t2. Donc j'efface le x, je déplace, curseur, ensuite je fais moins 5t. Moins 5t. Et bien entendu, ici, je fais virgule t. Parce que ma variable, c'est t. Donc là, elle m'a affiché x égale 2 tiers ou x égale 1. Là, elle m'affichera tout simplement t égale 2 tiers ou t égale 1. Parce que ma variable, c'est t. Je vous propose maintenant de résoudre l'inéquation suivante. 3x2 moins 5x plus 2, strictement négatif. Alors, je vais trouver comme solution x compris entre 2 tiers et 1. Alors, je fais bien sûr soit clear, soit je fais clear et je refais F2. Resolve. Et j'entre mon inéquation 3x au carré. 3x au carré moins 5x plus 2. Plus petit, alors le plus petit, il est là en bleu, vous voyez, en bleu ici, donc second, inférieur strictement à 0. Et bien sûr, comme tout à l'heure, virgule x. Fermez la parenthèse, entrée. Et là, vous voyez bien que la solution, l'ensemble des solutions est compris entre 2 tiers et 1. Mais si j'avais résolu, par exemple, au lieu d'avoir plus petit que 0, si j'avais résolu 1 supérieur à 0, donc là je prends mon curseur,
et je change, donc je vais taper second, plus grand que 0, entrée. Cette fois-ci, ça me dira x plus petit que 2 tiers ou x plus grand que 1. X plus petit que 2 tiers ou x plus grand que 1. Je continue. Donc, clear. Alors, je vais résoudre cette équation. Vous voyez, on peut mettre des exponentielles, on peut mettre des logarithmes, etc. Donc, je vais résoudre l'équation suivante, F2, résolve. 8 moins exponentielle de x. Alors, exponentielle, c'est en jaune, donc second, exponentielle. Attention, exponentielle, vous avez une parenthèse ouvrante, vous entrez x et vous fermez la parenthèse. Bien entendu, égale 0, virgule x. Fermez la parenthèse et ça vous donne x égale ln de 8. Bien entendu, vous avez compris que moi, j'ai laissé ln de 8, mais ln de 8 n'est autre que ln de 2 au cube, c'est-à-dire 3 ln de 2. Autrement dit, ln de 8 ou 3 ln de 2, c'est la même chose. Au passage, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que, en réalité, quand vous faites des calculs mathématiques, résolution d'équations, d'inéquations, calcul dérivé, etc., il faut toujours être en mode exact. Voyez? Pourquoi? Parce que si vous êtes en mode approché, vous trouverez des résultats qui peuvent effectivement ne pas convenir. Et voyez, vous avez une réponse qui est égale à 2,0119. Or, lorsqu'on résout une équation de ce type, on s'attend toujours à une solution exacte. Donc toujours mode F2 exact. Exact. Voilà. Mais j'entre et j'ai mes solutions. Alors bien sûr, là j'ai résolu l'équation, mais j'aurais pu résoudre l'inéquation. Et vous avez compris que le égal, je vais le transformer en supérieur à 0. Et là, ça me donne bien sûr x plus petit que 3 ln de 2 ou x plus petit que ln de 8. Alors, sur la TI 89, nous pouvons aussi, comme c'est indiqué plus bas, effectuer une factorisation. Donc là, vous reconnaissez a carré moins b carré, ce qui fait a moins b facteur a plus b. Et après simplification, on obtient x moins 7 facteur de x plus 7. Alors, je vous propose d'effectuer cette factorisation, mais avant, je vais quand même effacer l'écran. Je peux laisser l'écran, hein, mais simplement pour vous montrer que cette possibilité, il y a cette possibilité, d'accord? Donc, je fais F1, je clique sur 8 pour aller plus vite, et voilà, mon écran est effacé. Je fais donc maintenant F2 et je fais factor, ça veut dire factoriser. Et j'entre bien sûr x, alors parenthèse, x moins 3, le tout au carré, puissance 2, moins 16, fermez la parenthèse. Alors attention, j'ai fermé la parenthèse pour x moins 3, donc faire parenthèse fermée, c'est bon. Et j'entre. Et là, vous avez une factorisation qui est tout simplement x moins 7, facteur de x plus 1. Ensuite, dernier calcul. Donc, clear. Bon, j'ai pris une expression compliquée délibérément. Vous voyez, j'ai 7x exponentielle de 2x moins 14x carré exponentielle de x. La factorisation doit me donner ceci. Alors, c'est parti. F2 factor. Pardon. F2 factor. Et je tape 7x. Exponentielle, donc second exponentielle. Ça m'ouvre une parenthèse, j'entre 2x, je ferme la parenthèse pour exponentielle, ensuite je fais moins 14 x au carré exponentielle, donc second exponentielle de x. Fermez la parenthèse pour exponentielle et fermez la grande parenthèse parce que j'en ai ouvert une ici
et donc il faut la fermer. Entrée. Et magique, voilà la factorisation qui était attendue. Donc ceci complète, alors je pourrais éventuellement rajouter une ou deux choses puisque j'y suis. Je vais en profiter pour vous montrer ce qu'est un développement, d'accord. Bon, j'ai pas pris d'exemple ici, mais je vais le faire directement. Donc, je fais développement, d'accord. Admettons que vous vouliez développer une identité remarquable. Je prends un exemple, hein. Je veux développer x plus 3 au carré, n'est-ce pas? X plus 3 au carré. Tout le monde sait que x plus 3 au carré, c'est x au carré plus 6x plus 9. Entrée, et ça fait bien x au carré plus 6x plus 9. Alors bien entendu, je peux développer des expressions très très compliquées, et donc je peux avoir à développer x plus 3 au carré, n'est-ce pas, moins 5 que multiplie 3x plus 2, d'accord, 3x plus 2 au carré, 3x plus 2 au carré. Et bien sûr, la parenthèse a été fermée, je crois. Voilà. Et j'entre. Et ça me fait bien sûr moins 44x au carré, moins 54x, moins 11. Donc, on peut développer comme on peut factoriser une expression. Alors, si je vais aussi un peu plus bas, j'ai ici une réduction au même dénominateur. Alors, je tape ici dénominateur commun. Admettons que j'ai x plus, alors ici je vais taper 2, 5 divisé par x, vous voyez, 5 sur x, plus, on va dire 3 divisé 3x divisé par, on va dire, x moins 1. X moins 1. Donc je répète, j'ai 5 plus 5 sur x plus 3x sur x moins 1. Et j'entre. Et là, vous remarquez, il y a une mise au dénominateur commun qui est x carré moins x. Et bien entendu, vous avez le numérateur qui a été calculé. Donc vous avez à peu près l'essentiel de la touche F2. Ensuite, on passera bien sûr à la touche F3. Qui me permet de calculer une dérivée, de chercher une primitive, etc., etc. Ceci donc complète la séquence numéro 2, et entrée à la résolution d'équations, factorisation, développement et réduction au même dénominateur.